dans mes rêves. Tue-moi si je m'endors, si j'avance pas, si je m'arrête. Tue-moi une fois encore. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Boy Pro. C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment fureur sur les réseaux. Il m'a fait gagner pas mal d'argent à moi, il a fait gagner pas mal d'argent à d'autres youtubeurs, et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo. Si vous croyez pas en ses talents et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, c'est simple, rapide et efficace. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le coronavirus. Alors, je sais que beaucoup de youtubeurs en ont parlé, mais je trouve à mon goût qu'un sujet n'est pas bien abordé, et c'est le racisme. Pour vous la faire courte, je trouve qu'avec cette histoire de coronavirus, beaucoup de gens en France deviennent racistes envers les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens, etc. C'est-à-dire tout le peuple asiatique, pour pas grand-chose. J'ai donc décidé de faire une expérience sociale sur ce sujet en faisant porter le masque à des Asiatiques et moi-même de porter le masque face à des gens pour voir leur réaction. Vous verrez par vous-même que lorsqu'un Asiatique porte un masque, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on se retrouve pour une petite conclusion. Bon visionnage à tous, et si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la partager. Ciao! Salut les gars, aujourd'hui je suis accompagné de toute l'équipe. Il y a Soso, Edgy, Steven, Bâtard, vous les connaissez, leur Insta s'affiche juste en dessous l'écran. Si vous voulez les rajouter, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de coronavirus parmi toutes ces rumeurs. Il y a un racisme qui s'installe et ça, je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Donc aujourd'hui, on va faire une expérience sociale. On va demander à un enfant asiatique de porter un masque devant des gens pour voir leur réaction. Avant ça, on va manger un petit gâteau qui a l'air très bon et très beau. On a ce magnifique gâteau qui a été fait par Natoucake. Si vous voulez faire des gâteaux fantasy ou des gâteaux avec un thème particulier, n'hésitez pas à la rajouter sur Snapchat ou sur Facebook, et après ben, vous aurez le gâteau que vous voulez. Voilà. Merci, il est Natou. Aussi beau que bon en fait. Mmh. Le gâteau il est aussi beau que bon. Chez Natou Tatou. Les gars, anniversaire, mariage, tout événement, rajoutez Natou sur Facebook et sur Snap, ça s'affiche en bas. Ciao. Donc, les amis, aujourd'hui pour cette expérience, j'ai fait venir trois jeunes. Donc il y a et Pania. Bon, il y a Fafa aussi qui est avec moi, mais vous le connaissez déjà. Si vous voulez aller voir ses vidéos, il y a sa chaîne YouTube qui s'affiche en bas. Et pour ma vengeance, je vais vous laisser imaginer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça coupe bien. Qu'est-ce que tu fais? Donc, l'expérience, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je vais porter un masque. Je vais aller dans la rue pour voir la réaction des gens. Et ces jeunes, un par un, vont porter un masque aussi et vont aller à côté de parfaits inconnus justement pour voir leur réaction, pour voir si les gens se méfient d'eux étant donné qu'ils sont asiatiques et moi européen. Voilà, on va voir la différence qu'il y a, on va voir s'il y a réellement un racisme existant en France par rapport au coronavirus et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour une petite conclusion. Voilà, à toutes. Ah bah je me sauve. Non mais t'as un truc là, t'as le truc là. Ah bah c'est pour me protéger. T'as ça. C'est pour me protéger. Ah bah moi je vais me protéger à moi, tu peux partir s'il te plaît. Ah non. Et comment ça, mais c'est mon banc déjà, ici t'as des trucs bizarres là, pars s'il te plaît. Bah je reste ici. Bah tu peux partir ou ça va partir en... Non je reste ici. Pars. Je reste ici. Tu peux partir s'il te plaît, je peux aller choper ça. Bah pars-toi. Je suis pas bien comme ça. Excusez-moi, vous savez pas c'est où le centre-ville s'il vous plaît? Ouais, mais pourquoi t'as un masque? C'est pour me protéger. Protéger de? La nouvelle maladie qui vient de Chine là. Ah ok, du coup, attends deux secondes, du coup tu viens de là-bas toi? Ouais, je viens de Chine moi. Ouais, de toute façon ça se voit, je sais pas pourquoi c'est normal. Et du coup c'est où frère, c'est où? C'est vers où? C'est, t'approches pas trop déjà, c'est vers là-bas. Mais je viens pas de la Chine, de là. Ça se voit, de toute façon t'as pas besoin de dire.
Du coup, il fallait là-bas. Mais j'ai pas la maladie, ouais, mais t'approches pas quand même. T'as un masque, du coup, je sais pas. Tu peux éviter, s'il te plaît. Parle pas de moi. C'est où? C'est là-bas, tu vas là-bas, je sais pas, tu fais comme tu veux. Mais venez, vous, monsieur. Monsieur, venez. Non, je te suis pas. Parce que... J'ai envie. Pas le virus. Non. Vous savez pas c'est... où est ce magasin? Le magasin, c'est le magasin... Ah, c'est le magasin qui est juste à côté. Oui. Donc tu vas tu vas tout droit. D'accord. À 200 mètres sur ta gauche. D'accord. Tu vas trouver. D'accord. Pourquoi vous cachez, monsieur? Eh non, parce que je sais pas, tu as un truc bizarre avec les maladies, j'ai pas envie de les choper du tout. C'est pour me protéger. C'est protéger de quoi? Tu as quoi? La nouvelle maladie là. Coronavirus? Ouais, c'est. Ah, bah, c'est bon, vas-y. Pourquoi? Vas-y, c'est à 200 mètres de là-bas, allez. Et venez, monsieur, venez m'aider. Quoi? Non, mais c'est bon, vas-y. Avance, je te suis. Ne me touche pas. Voilà, c'est lui. Tu l'as vu. Allez. D'accord? Allez. Bonjour à toi. Bonjour. Bon, les amis, maintenant. C'est à mon tour de porter le masque et d'aller voir des gens. On va faire vraiment les mêmes circonstances pour voir la réaction des gens quand c'est un Européen qui porte un masque. Bonjour monsieur, je peux m'asseoir à côté de vous? Pas très beau aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est pas très beau. C'est pas indiscret, vous allez quoi? Je me protège par rapport au coronavirus. Parce qu'en ce moment, ils en parlent beaucoup à la télé et tout ça, parce qu'on sait jamais quoi. Vous, ça va, vous en avez pas peur de ça? Non. Non? Non. Pas avec quelques personnes âgées que ça touche le plus, c'est que. Bon, après, je me méfie un peu des personnes asiatiques. Ah. On sait jamais, puisqu'ils ont de la famille qui arrive, qui s'en va. Parce que ça vient de là-bas, c'est pour ça? Ben oui. Si ça avait été une personne asiatique qui serait assis à côté de vous, qu'est-ce que vous... Vous avez le masque, non? Ouais. Ah, je voulais direct, vous n'avez pas fait un voyage en Chine? Non. Ah, c'est vrai. Mais un chinois, vous lui posez pas la question. Ah, je bouge direct, ça. Voilà. Et vous savez comment ça s'appelle? Ah, c'est pas du racisme. Non. Un petit peu. Non, c'est pas du racisme, c'est de la prévention. Faire la prévention pour tout le monde. La maladie, elle a pas d'origine, elle a pas de couleur. Que là-bas, ça vient chez eux. La plupart des gens qui sont venus avec le coronavirus, si c'est pas des Asiatiques. Ouais. C'est des Européens qui ont voyagé là-bas. Oui. Donc faut se méfier de tout le monde. Oui, c'est vrai. Voilà, au final. C'est vrai. Allez, bonne journée, monsieur. Tu cherches quelque chose? Pourquoi tu as un masque? Mais c'est juste pour me protéger que je me raconte. J'ai pas le droit d'avoir de masque. Ouais, mais tu veux te protéger de quoi? Bah du virus, du coronavirus. Ça, mais tu portes un masque, tu es là. Je vais pas te inquiéter, t'inquiète pas, je suis un citoyen comme les autres, moi. On a le virus, c'est rien. Bah, le coronavirus, je m'en fous, on est en France, il y a des lois, tu lèves ton masque, t'as pas le droit de... Si j'enlève pas, y'a quoi? On parlait, tu lèves, c'est tout. Sinon j'appelle les flics, voilà. Tu vas appeler l'équipe? Ouais, ça veut dire que tu vas appeler les flics. Ah bah vas-y, appelle, tu leur dis que tu es raciste. Ah vas-y, ciao. Je me dis pas taille-toi. Fatigué. Bonjour. Comment? Tu peux décaler s'il te plaît? Pourquoi? J'attends pour retirer mon... Pourquoi tu as le masque? Je me protège. C'est jamais, hein? Coronavirus, tout ça. Comment ça, coronavirus? Bah, c'est jamais, faut se protéger. Tu es pas un chinois, pourquoi tu me parles de coronavirus? Il n'y a pas de chinois, pas chinois, je sais pas, faut se protéger. La maladie, elle est en France en ce moment, donc du coup, tu peux être français. Non, mais c'est que les chinois quand le coronavirus est. Ah, pourquoi? Parce que, une fois, c'est maladie chinoise, c'est que les chinois qui l'ont. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voler? Ah non, pas du tout, je veux pas vous voler, vous inquiétez pas. Tu me fais peur, j'ai l'impression que tu veux me voler là. Mais je veux pas te voler! Moi, tu es comme ça et tu me fais peur, décale-toi s'il te plaît. Mais depuis le début, si j'avais voulu te voler, je te lève tout déjà. Là, j'ai pas envie de te voler, j'ai envie de retirer juste. Donc, du coup, si c'est un chinois, t'as peur du coronavirus, mais si c'est un européen, t'as peur qu'il te vole. Mais non,
c'est que les Chinois qui ont le coronavirus. Arrête. Mais... Tu mets un masque, on est à Marseille, y a pas le coronavirus. Oui, et mais... T'as pas l'air d'être un Chinois, non? Tu es parano, tu es raciste, que tu en peux plus. Bon courage à toi, raciste. Et voilà les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu l'apercevoir, tous les gens, et je dis bien tous les gens, qu'on a croisés dans la rue et qui ont croisé le regard de mes potos qui sont asiatiques avec un masque, ont été ou sont devenus racistes. Vous avez vu la différence? Quand une personne comme moi porte le masque, les gens ne sont pas trop affolés, pensent plutôt qu'on va les voler ou je ne sais quelle connerie pense, mais dès qu'un asiatique porte un masque, les gens s'en éloignent et ont des propos racistes. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour montrer à tout le monde qu'un racisme est en train de s'installer sur les asiatiques et je ne trouve pas ça normal du tout. Si vous voulez porter notre marque de vêtements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour tous les goûts, les frais de port sont offerts, les paiements sont sécurisés, il y a des sacs à dos, il y a des nouveautés, allez-y, ça vaut le détour. Le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est de vous dire de ne pas être raciste, de ne pas se méfier des gens qui sont asiatiques parce que asiatique veut dire coronavirus ou autre. Arrêtez les amalgames, ce n'est pas bien, il faut qu'on soit tous ensemble et vous n'avez pas de raison de vous affoler car en France, il n'y a pas énormément de cas et sachez que le coronavirus, selon les gens, se soigne. Bien évidemment, lavez-vous bien les mains, lavez-vous bien la figure, lavez-vous bien le... Merci de nous avoir regardés, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et si toi aussi t'es contre le racisme, n'hésite pas à partager cette vidéo.